Et salut à tous, ici Arcanum et on se retrouve pour la première partie de la session d'invoque de l'épisode 153 de Fire Emblem Heroes. Donc à la fin vous aurez droit au Brindal si tout va bien. Enfin, si le programme ne change pas par rapport aux années, mais bon, maintenant c'est une machine bien huilée, donc ça devrait pas changer. Donc dans cette première partie, nous avons droit à deux retours hebdomadaires, donc le 22 et le 7. Bon. Les chiffres sont complètement au pif, hein, je vous avoue. Je sais pas pourquoi celui-là est le 22, alors que les héros qui sont là-dedans sont plutôt que ceux-là. Non, ça, je n'ai aucune idée de qui choisit pas. Bref, donc là, c'est les brèves de la première année. Hein. Bah, il y en a deux, en tout cas. Brève Lynn et Brève Roy, et on a Ninian, en plus, qui est droit à sa version. Donc, bon, qui est pas forte, mais bon, si jamais vous voulez Ninian. Et ici, nous avons Inoka, version Archer. Kanaef et Sigbert que je n'ai pas. Nous avons le remix héros légendaire avec deux Dumas. Il y a un autre héros légendaire dans le tas? Non. Les héros légendaires et des Ascendant. On a un héros mythique et les autres c'est des héros. Bon. Des héros légendaires hein, tout simplement. Nous avons le nouveau pouvoir avec les héros qui ont eu droit à des nouveaux pouvoirs et Kaiden, Felicia. Théa et Indune. Bon, Théa est disponible en 4 étoiles, mais les deux autres, Théa, Felicia, c'est un héros spécial qui était dans l'autre focus. Picnic, bah, le premier focus Picnic est le seul. Et Kaiden, évidemment. Et je sais pas si on va le finir là, mais continuer les Fallen. On va commencer par mythiques légendaires, on va commencer par les héros hebdomadaires. On va commencer par celui qu'on s'en fout. Ici et totalement aux F-Chair, j'ai déjà les trois héros et beaucoup, et je les ai eu plusieurs fois en plus. Celui que j'aime moins, je crois que c'est Rogue. Bon, c'est un 3 étoiles, ça commence bien. C'est Knoll. Par contre, ici ça peut être intéressant. J'ai pas Sigberg, j'ai jamais eu Sigberg. Un seul rouge, c'est parfait. Et ouais, j'ai jamais essayé de Berk, hein. Des rares vieux persos que j'ai pas. J'ai cru, mais non, c'est Marf. Bah, moi, Sudberg, je l'ai jamais vu. Je crois qu'il y a des boosts, Sudberg. Bah, je crois que quasi tous les héros il y a 3 ans, ça a été boost. Ici. Le seul qui me manque, c'est Marf et Hector. Mais Dumas, depuis qu'il a été boost, il est plutôt intéressant. Bon, on va voir les couleurs. Ok. Il n'y a pas de gris. Très bien. Super, bon, j'ai pas envie d'invoquer, ça m'a saoulé. Ok, 3 étoiles, va te faire enculer, juste ça. Ok, très bien, ça m'a pas donné plus envie. Voilà, merci Dumas. Pour ta participation. Bon, ici par contre, il n'y a que du vert qui m'intéresse. Donc, par pitié, du vert. Deux verts, bon, on va les invoquer tous les deux. Pas de rouge, bon. Super. Oh, c'est parfait. C'est vraiment parfait. C'est que de la merde. Et ça, c'est vraiment de la qualité. C'est de la qualité recherchée, ça. C'est que de la merde. Que de la merde, ouais, bon, bah. Il fallait se douter, hein. C'est un truc à 3%. Je comprends pas pourquoi les nouveaux pouvoirs sont à 3%. Ils devraient être au moins à 4, vu que c'est des vieux persos. Bon, bah, on les a tous fait, hein. Rappel, hein, j'ai eu aucun perso focus sur celui-ci. Pas de gris. C'est dommage, c'est RVA, le perso au moins le plus intéressant sur le papier. Ishina, bon. Ouais. Ah ouais, bon, le focus Fallen de cette année m'aura pour le moment pas apporté chance.
Pour le moment, hein. Pour le moment, toujours. C'est nul, hein. Bah, disons que pour le moment, ça ne me passionne pas, hein. Parce que ce focus a été vraiment misérable, hein. Bah, c'est, ça aurait été de la merde, le verre, hein. Ouais, bon, même si c'est un Redson, ça reste de la merde. Alors peut-être. Je sais pas si je fais l'autre session. Je l'ai déjà. C'est Flavia. Tout brisé par Flavia. Bon. Ok. Je sais pas, je suis même pas spécialement heureux. Bah déjà je l'ai. Un, je l'ai déjà. Et de deux, bon, on n'a pas vraiment de deux. Elle a quoi? J'aurais préféré. En fait, ce qui me saoule, c'est que je préférerais avoir un perso focus. C'est juste ça en fait. C'est le deuxième perso hors focus. Hein. Et c'est de la merde. Oh là là, c'est nullissime. C'est triste. C'est d'une tristesse. Les taux. Les persos focus sont tristes. Hein. Bon, bah on aurait eu Flavia, bon. Je sais plus ce qu'elle a, l'autre, celle que j'ai. Je crois qu'elle est plus de vitesse, donc bon. Bon, bah on va faire la dernière session là maintenant, comme ça au moins. Hein. Et on a une couleur de chaque. Mais bon, le tout est à 3, donc... Dommage, c'était bien. Ça aurait été l'un des pires focus fallen de ce que j'ai eu. Là, d'habitude, des années précédentes, j'avais eu au moins un hors invoque offert. L'année dernière, j'avais pas eu des gardes en session. J'aurais aimé en avoir au moins un. Un taux spécial, c'est Cyber qui était il y a pas longtemps disponible en perso resplendissant. Donc il passera plus 2. Je me présente, Cyber, mercenaire, tant que vous payez, vous pouvez compter sur moi. Bon, au moins, le Focus Fun aura. Je crois que j'ai eu 4-5 étoiles sur ce Focus, mais aucun Focus. Ah, peut-être. Non. Non. Non, mais. Niquez-vous avec vos trucs de lumière, là, vos effets lumineux qui sont nuls, quoi. C'est vraiment nul. Bon, bah, ça aurait été l'un des pires focus de l'histoire. Sauf si on a rien tout de suite, mais bon. Non, pff, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Le focus Fallen de cette année aurait été misérable. J'ai vraiment rien eu, c'est hallucinant. C'est alors je suis vraiment impressionné par le nombre de hors focus dans ce focus Fallen. On en a eu 4. Oh non mais. Bon il a Honora, écoutez. C'est. C'est tellement décevant, mais c'est un truc de malade, hein, les persos. C'est déjà de un des persos que j'ai déjà. Sachant qu'il m'en manque quand même pas mal. Et j'ai eu aucun perso focus. C'est hallucinant. C'est hallucinant, hein, totalement. Donc on va les fusionner. Hein. Eh, je suis halluciné. Je suis vraiment halluciné. Hein. On a eu Flavia et l'autre, dans l'autre vidéo, on a eu qui? Je sais plus, on a eu Fallen Lion. Je crois, et on a eu un taux spécial aussi. On en a eu 4, mais bon, ok, mais les perso focus sont inexistants. On n'en a eu aucun. Et la Flavia que j'avais avait plus d'attaque. Bon, bah écoutez. Hein. C'est même pas. Je sais plus combien elle est classée. Elle doit être tier 2 ou tier 1. Je crois qu'elle est tier 2. Hein. Alors, Eleonora, je l'avais déjà une fois. J'ai même pas regardé l'IV par déception. Elle a plus de raise. Celle que j'ai, elle a plus d'attaque.
On en a eu 3 quand même. On a eu 3 5 étoiles, mais bon. C'est pas ce que je. C'est pas ce que je veux. Hein. Bon, du coup, elle récupère son IV en PV, bah, on a, en vitesse. Et le dernier, bah, Cyber. Hein. C'est, je suis vraiment halluciné par le nombre de. De perso hors focus. C'est hallucinant. J'étais censé au moins avoir un perso hein, quand même. J'ai même pas regardé l'IV du Cyber, qui est mon attaque, pour plus de défense. Celui que j'ai, il a plus de quoi. Il a plus de raise. En vrai, ça sert à rien moi, plus de raise sur lui. Oh, c'est nul. Oh, franchement, je. J'ai pas les mots pour décrire à quel point c'est nul. Du coup, oui, il a des stats améliorées, étant donné que c'est un. C'est un perso grand, resplendissant et le personnage resplendissant, ils ont deux. Ils ont plus de dans les stats, il me semble. C'est entraînement. Je suis saoulé parce que là, bon, bah, les 4 héros. On va attendre un peu hein, avant d'en prendre un. Gain d'XP. Non, mais je suis vraiment halluciné par la merde, vraiment, parce que c'est de la merde. Hein. Ah, du coup, il a 38 de défense. Faut dire les mots, hein. C'est nul. Hein. C'est pas particulièrement ouf hein, ce qu'on a eu. On en a eu, certes, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas des persos que je souhaitais. Moi, je voulais au moins des Fallen. Parce qu'ils sont clairement très forts. Hein. Bon bah on aura. Ok, on en aura eu au moins un, lequel je ne sais pas, je verrai selon la tier list, c'est pour ça que je la fais pas maintenant. Même si j'ai ma petite idée sur qui va être tier 1. Ah je crois qu'ils vont. Ça va jouer je pense entre. Ninian c'est sûr que non, parce que les personnages de support j'ai ce qu'il faut. La gameplay de Bartener je le joue pas, donc Lilith à la rigueur non. En vrai, ça va jouer entre Rhea et Gunther, hein, et Gustave. Hein. Ouais, ça va se jouer entre les deux. Et je pense que. Je sais pas. Ouais. Pour le moment, ça part plus pour Gustave hein, que Rhea, mais bon. C'est très décevant. Hein. Bon, bah, on se retrouve pour une deuxième partie avec, j'espère, moins de trolling. Parce que clairement, là, c'est du troll. Je crois qu'on attend, on en a eu. On en a eu 5. On a eu 5 étoiles sur ce focus, je crois, en tout. Mais aucun focus, ce qui me rend dingue. C'est hallucinant. Ouais. Bon, bah, c'est comme ça, hein. C'est le gacha. Hein. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie. Je sais pas ce que ce sera. Hein. Ce sera. Peut-être les focus Fallen des années précédentes, je ne sais pas. Donc, voilà. A tout de suite pour la deuxième partie en espérant qu'elle soit moins trollesque. Et nous y voici, dernière partie de cette session avec bah de l'épisode. Je ne sais plus à combien d'épisodes on est, 153. Alors avant on a le focus fleur nuptiale, c'est un focus spécial donc il n'y a pas de ticket. On a le focus vivre ou mourir avec Selena, Leila et Ingrid. Alors quel exceptionnel, j'ai les trois pour une fois. On a le focus tourmente avec Ewood. Lina et Roy, les trois persos sont dispo en 4 étoiles, donc bon. Et c'est tout. Et on peut. On a la voque offerte aussi. De ça. Bon, je sais qui je vais prendre. Hein. J'ai vu la tier list tomber, donc je sais que. Il n'y a qu'un seul 5 étoiles dans ce focus qui est disponible en tier 1. Et c'est Réa. Bon, bah, on va commencer par celui-ci. Il n'y a aucun suspense. Il n'y a que du rouge. Les trois persos sont disponibles en 4 étoiles, donc bon, on s'en tape très clairement. Et c'est un 3 étoiles, ça commence sur de bonnes. Ça part bien, ça part excellemment bien, on a de la merde, le classique, vas-y, casse-toi. Ici, j'ai déjà tout. Y a pas de perso rouge, bon, on va prendre gris. Là, j'ai déjà les trois persos, donc on s'en tape.
Mais bon. Ça aurait été bien d'avoir un petit truc, mais bon. J'ai les trois persos, donc honnêtement, là, on tape. Certes, je les ai pas plus quelque chose, mais bon. Bon, bah voilà, hein, c'est déjà parti hein, pour le focus nuptial. Donc, pas de gris, donc on n'invoquera pas gris. On espère pas tomber sur Celia, qui est un personnage nul. Par contre, le Sophia, c'est plutôt pas mal. Et Lina, en vrai, après l'avoir vu un petit peu combattre, en vrai, c'est pas si négatif que ça, en réalité. Et bien sûr, le duo. Allez, c'est parti. Ça commence très mal. Putain, mais il n'y a pas de perso rouge dans... Il n'y a pas de personnage gris dans ce focus. Le jeu, il donne quoi? Des personnages gris. Mais qui baissent leur mort, quoi. Oh, commence avec un taux spécial et un perso que j'ai pas, c'est Lug. Ça commence bien. Alors ça part mal dans les couleurs, mais ça part bien sur les persos. Je ne l'avais pas, c'était l'un des rares taux spéciaux que je n'avais pas, Lug. Alors, on est dans le bon jeu, je crois, il vient de Beijing, je crois. Et il vient de Biden, n'importe quoi. Il vient de Biden, il a une arme excusée depuis... Oui, il a une arme excusée, le tome de raison. Bon bah voilà, on a Lug. J'ai même pas regardé ses EV. Moins de PV pour plus de raise. Ok. Ça se prend. Ça se prend, ouais, ça va, c'est... Alors attention, le deuxième vert, ça serait très drôle d'avoir le duo tout de suite. Ça serait drôle d'avoir le duo tout de suite. Bah voilà, on l'a tout de suite. Oh la chatte, c'est quoi cette première session? On a de la merde en couleur, mais on a de la chance sur les deux qui est quoi. La vache, on a le duo. Bon, en réalité, j'avais pas l'intention d'invoquer beaucoup sur le focus Brindal, donc en vrai, c'est bien. C'est très bien, hein. Bon, ben, on a le duo Roy. Je suis Roy, le fils d'Hollywood, Marquis de Ferrari, je prends mon rôle de mari très à cœur. Cela étant dit, je n'arrive pas à croire que je puisse passer du temps avec mon père. Regardez, il est si jeune. Pareil, ils ont les mêmes EV. Ils ont les mêmes atouts. N'importe quoi, bon. Bah, ouais, bah, écoute. Je vais refaire une session avec, j'espère, du bleu et du rouge. Mais on a le duo. Tout ce que je voulais, hein. Qui est le meilleur perso de ce focus. Hein. On va continuer. Ouais, deux rouges. Hein. On va pas invoquer vert, là, cette fois-ci. Mais, ok. Ça part très très bien, que dire de plus. Ah bah, très drôle. On a Hollywood juste derrière. Bah, ok, bon. It's funny, bro. It's funny. On va faire. Ouais, je pense qu'on va en refaire une, mais c'est tout après. Hein. Après, ça sert pas grand chose. Bon, bah, 3 étoiles, donc le suspense pue la merde. Et en plus, on va avoir un autre perso derrière. Il y a encore un 5 étoiles. Hein. De sûr, avec rien. Alors, le focus Fallen m'a pissé dessus. Est-ce que le focus Brindal va me porter chance? Non. Bah, oui, il m'a porté chance là. Donnel. Allez, une autre session. C'est pas ouf, hein. Mais bon, on arrivera à 50 orbes. Putain, mais le gris, c'est quoi ça? Vas-y, frère. Ah. Alors, attention, peut-être. Bon, bah, voilà, on l'a eu. On l'a eu en 4 étoiles, donc ça va. On a eu Cecilia, donc on a déjà deux persos. Ça va, on l'a eu en 4 étoiles. En même pas 3 sessions, ouais. Alors peut-être. Non, c'est un 4, ça. Oui, c'est Darren. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour le Brindal. Hein. En vrai, il n'y a plus grand-chose. Hein. À part que j'aime bien Lina, qui est un de mes persos préférés, mais à part ça, bon. Alors, on retombera peut-être un jour sur un autre focus héros spécial x2, donc bon. Mais on a le duo.
On a eu le duo et Cecilia, donc bah c'est très c'est bien. Je vais pas aller jusqu'au 40 invoque. Parce que bah y a aucun perso qui vaut le coup. On va finir ça avec le héros. La session est offerte. Autant le Fallen m'a pissé dessus, là les héros spéciaux, là ça a été. On va prendre Rhea, qui est le meilleur perso possible. Étant donné que j'ai. En plus j'ai eu Roy, donc je vais pas prendre Gustave, étant donné que ce sont les. Bon, ils ont pas le même but, mais bon, voilà, je viens d'avoir une unité cavalier à la hache. À la rigueur, ça serait joué avec Lilith et Rhea. Mais bon, le meilleur perso de très loin, c'est Rhea. Donc on va prendre Rhea. Bon bah voilà, on a eu 3 persos 5 étoiles. En tout, on a eu combien? En vrai, on en a eu beaucoup aujourd'hui, hein, dans cette vidéo. Et voilà, Rhea l'Immaculée. Je suis Rhea, l'archevêque de l'église de Séros. Mais je cherche la divine ancêtre, je cherche. Bon, elle est neutre, hein, bien évidemment. Bon, bah, comme l'année dernière, j'aurais eu le personnage gris en session offerte. Donc, bah, voilà, on va faire. Est-ce que j'ai des fusions? Non. Est-ce que j'ai des persos à fusionner? Je crois pas, hein. Bah non, on a eu Luke, un perso que j'avais pas. Et on a eu Roy. Donc en vrai, ça va, en vrai, la dernière partie était cool. Donc on a eu qui, là, dans cette vidéo, en tout? Je sais plus, hein, on va dire. Je crois que j'ai eu beaucoup de persos que j'avais eu. Hein. Alors que là, c'est dans l'autre vidéo. Qui on a eu? Je sais plus c'est qu'on a eu. J'avoue tout, je ne sais plus. On a eu Flavia, je crois. Et... Chier qu'on a eu Flavia, voilà, en petit break. Et... Je sais plus. En vrai, le Focus Fallen, il m'aura porté chance. J'aurais eu des 5 étoiles hein, sur le Focus Fallen, mais j'ai eu beaucoup de hors-focus. Enfin, on va gérer ma caserne parce que bon. On a eu Squash, ouais. Que j'avais jamais eu. En vrai, la rhum en 4 étoiles parce que oui, j'ai fait une tourmente pour récupérer un peu d'orbe. Ça sert à rien. Hein. Je vais l'avoir en 5 étoiles donc bon. Je regarde, oui, je vérifie, oui. En vrai, ouais, bon, en réalité, j'ai pas pu beaucoup invoquer parce que de 1, bon, on a eu Roy très vite. Et puis voilà, j'aurais aimé avoir Lilina. En vrai, le combo de ouf, ça aurait été d'avoir Roy Lilina. En vrai, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a Blazing Blinding, en vrai, j'ai tout souvent de la chance avec Blazing Blinding. C'est vrai que ces jeux me portent plutôt chance quand il y a des focus sur ces jeux. Donc, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. On aura été plutôt extrêmement chanceux. Oui, on a eu Roy, genre deuxième invoque, quoi. Vas-y, c'est full chat ça. Mais ouais, les persos de Blazing Binding, les persos forts de Blazing Binding, en général, j'ai de la chance avec eux. Parce que là, typiquement avec Lynn, là, je l'ai eu. Lynn, je l'ai eu 2 fois, je crois. 3 fois, ouais, elle a été offerte. Je l'ai eu 2 fois et elle a été 1 fois offerte. Donc voilà la chance. Hein. On a eu du coup Roy, qui est vraiment, je trouve, pas mal. Hein. Très très fort offensivement, un peu moins défensivement. Mais du coup, voilà, on a eu le personnage duo. Ça m'arrive très rarement d'avoir le duo. Le prochain focus, comme je l'ai dit, dans à peu près déjà 2 vidéos, ce sera le focus de la moitié du livre 6. Avec Lysisa, je pense. Donc, encore unité verte. J'avoue que bon, voilà quoi. J'ai un peu la flemme hein, d'aller faire les 40 invoques, mais je pense que je vais les faire. On verra, hein. On verra déjà comment j'ai d'orbe à la fin, bah là, au début on va dire plutôt de la session. Là il va avoir dans la prochaine partie, bah, la prochaine vidéo invocation, on aura droit à tous les focus Brindal, sachant que il y en a certains qui m'ont vraiment porté pas trop de chance quoi, genre celui d'il y a 3 ans, avec Mikaya et Soph. J'ai jamais mis Mikaya et Soph. Donc peut-être que j'ai invoqué beaucoup. Enfin beaucoup c'est un grand mot. Je vais essayer d'avoir Mikaya. Et après, je sais plus. Ah, il y a Viorm. Hein, on pourra retenter notre chance sur Viorm spécial. Mais, du coup, là, vu que c'est un focus... Là, quoique, c'est pas le premier focus à 6.
C'est vrai que les Focus Fallen des années précédentes n'ont pas paru. Ah oui, c'est vrai. Bah là, pour les spéciaux, en général, ils le font, mais pas pour les Fallen. Donc, dommage pour les Fallen. C'est dommage pour eux. Bon, bref. On se retrouve, du coup, très bientôt pour la partie... Bah, du coup, pour la partie 2 du livre 6. Et d'ici à portée ou bien, c'était Arcanum. Bye.